Coucou! Petite musique d'Alien Isolation du jeu. Voilà, alors je suis très content, je l'ai reçu. Dans les coulisses du film Alien, hein, 336 pages de documents rares et d'infos dévoilées pour célébrer les 40 ans d'un film culte. Bon, le livre, il n'y a pas non plus un prix donné à tout le monde quand même, parce que bon. Alors, vous allez sur Amazon, vous allez le trouver, hein, le prix. Donc, mais bon, moi qui adore les films comme ça, Alien, Predator. J'ai jamais trouvé un film, d'ailleurs, un livre sur Predator, j'aurais bien voulu le premier. J'arrive pas à trouver, ou alors c'est en anglais, ou bref, voilà. Voilà un film. Et c'est, j'ai commencé à feuilleter, c'est magnifique. Même des documents rares, exacts, tout à fait d'accord, et des faux, d'infos dévoilées. Tout premier film Alien, sorti en 79, Ridley Scott, et j'oublie pas non plus Giger, hein, qui est quand même le créateur de l'Alien. Qui est décédé en 2014. Ouais, faut pas oublier. Je suis bien content de l'avoir reçu. Par contre, je suis pas sûr de revenir après parce que vu ma jambe, comment elle fait mal. À l'heure actuelle, je sais pas ce qui se passe. Donc, depuis que j'ai fait mes deux infiltrations, je sais pas. C'est presque 3 mois, une semaine près, que j'ai ma sciatique lombaire, mon hernie discale, donc je sais pas. Voilà. Je fais feuilleter comme ça, je vais pas tout faire voir, mais c'est juste pour faire voir que le livre, c'est une bombe. C'est une bombe. Et je vais faire même des images que vous avez jamais vues. Allez dire putain c'est quoi ce truc? Les créatures qui faisaient à l'époque avant que ça sorte. Ah c'était rien à voir avec l'alien. Oui. Je suis vachement content parce que c'est un très très bon livre. Il est tout neuf. 40 ans quand il pense. Comme ça passe vite. 40 ans. C'est. J'étais même pas né, je vois pour vous dire, en 79. Donc pour vous dire. Voilà, je vous fais voir plein de choses très très intéressantes. Voilà, le Giger, l'excellent Giger, Hans Rudi Giger, né le 5 février 1940 et je crois qu'il est décédé en 2014. Oui. Son beau chat noir. Dans la tête de Giger, bah oui, c'est grâce à lui que l'alien s'est créé. Hein. Sinon, il n'aurait pas eu de film hein, à la limite. Hein. Bah, je me le demande. Ça aussi, j'ai trouvé ça hallucinant. Des vaisseaux de l'époque, alors qu'il n'y avait rien à voir que le film. Des sortes de temples, je sais pas quoi. Rien à voir. Enfin, strictement rien à voir, un vaisseau. Le Nostromo, ce que tu veux. Ah, ouais, je vous fais voir quelques trucs quand même, après je coupe. C'est vachement intéressant. Je vais pas tout vous faire voir parce que après ça sera un peu trop bon, on voit même pas dans le film, on voit une sorte de tour de ça me pose ce que c'est, des trucs qui n'ont rien à voir. À part peut-être celui-là, là où il y a ma main, là, ça ressort vraiment au petit là, je sais plus, le Narcissus, le petit là. Là il ressemble exactement pareil, ouais, là, il est très proche. Eh, ça a commencé avant, hein, 77, 78, même avant, 76. C'était pas encore. Voilà, je vous blinde plein d'images. Après, il faut lire, évidemment. Regardez les vaisseaux, ce qui a strictement rien à voir avec tout ce qu'on voit. C'est même pas encore ça. C'est même pas encore les vrais vaisseaux qu'on voit. Et pourtant, je les trouve très beaux. Très classe. Giger, Giger, et j'en passe, je vais pas tout faire voir. Évidemment, l'alien, comme on connaît. Et je vais faire voir 2-3 trucs et je coupe parce que je vais pas tout faire voir. Voilà, je suis bien content d'avoir reçu aujourd'hui. C'est un gros pavé, hein, 336 pages, il est énorme, il est lourd. Hein. Je vous dis pas l'épaisseur. Hein. C'est pas un petit livre quand même. Hein. Ok? Mettre sur pause d'ailleurs, je vous lirai, je crois que vous l'aurez bien, bah oui.
magnifique. Franchement, j'ai bientôt sur aussi Alien Covenant en livre. Bon, il y en a qui vont pas l'apprécier, mais bon, bien, même bien moins aimé, mais bon. Ouais, c'est les goûts, hein. Moi, j'aime bien Doré, mais bon, je préfère toujours le premier Alien, c'est sûr. Et le 2. Voilà. Enfin, 2-3 images. Et je coupe. Je peux pas tout faire, voilà, hein. Ça serait un peu trop beau. Bah, regardez les vaisseaux quand même qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a vu après. Hein. C'était la base. Hein. Celui-là, il ressemble étrangement à celui du vaisseau prédateur. Celui-là, c'est pas grave. C'est bizarre. C'est vraiment plus. Ouais, ça n'a rien à voir. Pourtant, ils sont beaux. Hein. Mais c'est pas ça qui l'a retenu. Voilà, ça, j'aime bien cette image-là. Avant que je voir ça, je coupe après. Alors, sur Amazon, vous l'avez. Hein. Bon, c'est pas donné non plus. Hein, parce que, bon, moi, je vous dis, prix est quand même à 45 euros. 4,90 €. Mais bon, quand on adore le cinéma, hein, je suis désolé. Hein, bon, bref. Oui, c'est pas donné. Mais c'est blindé d'informations. Voilà. Ça, c'est le truc que vous verrez jamais. Au moins, vous avez ces images-là sur Pinterest. P-I-N. T-E-R-S-E-S-T image, je sais pas. Peut-être vous pouvez la voir, mais je suis pas sûr. Évidemment, Hélène Ripley, si vous en avez vu. Voilà. Et après, je coupe. Et je suis vachement content de l'avoir su. Je vais bientôt recevoir Alien Covenant. Je vais faire une image, et puis je coupe là, parce que je pense que c'est. Évidemment, ça. C'est le truc le plus connu. C'est d'ailleurs la naissance de l'alien. Ouais. Je suis vachement content. Alors peut-être que la vidéo ça va gêner certains parce que bon, ils attendent de l'ufologie, mais je suis désolé. Si vous regardez bien mes trucs, je suis passionné aussi de cinéma. Donc si ça embête quelqu'un, bah tant pis. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Je crois que c'est 142 si je veux. Bon. Voilà, c'est 200. Bon, enfin, c'est pas grave. De toute façon, je vais couper là. Je vais pas vous faire patienter plus que ça. Au moins que ça soit la page 240. Peut-être 240. J'espère. Voilà. Ah bah c'est pas grave, je sais plus où c'est, mais de toute façon je coupe là et voilà. Je fais une belle vidéo, tout ça on connaît. On sait très bien. L'essence d'un mythe, d'un alien, évidemment. Voilà. Et je vais couper là, dernière image, et voilà. Bien content d'avoir eu. Bah de toute façon je le mettrai derrière. Voilà, bah on connaît la suite, et voilà, je coupe là. Très très bon livre, il y a juste un petit coup ici qui me gêne un peu, mais bon, c'est pas grave. Très très bon livre, énorme. Regardez quand je dis qu'il est énorme, par rapport à ma tête quand même. Voilà, et je coupe là. Merci. Voilà. En plus j'ai mis couleur vert. Je m'en ai pas fait... Après il parle d'Alien 2 évidemment. Voilà, bah je coupe là. De toute façon je sais plus où c'est. Il y avait un truc qui était intéressant, mais je ne sais plus où il est. Bon c'est pas grave. Allez je coupe, merci. À bientôt.